J'adore l'encens, c'est tellement salvateur. T'aurais vraiment cru voir cette scène un jour, toi ? On avait pas l'air beaucoup plus malin à la réunion Parcoursup. Tu m'étonnes. On avait envie de s'inscrire en CAP suicide, là, après la réunion, c'était glauque. Mais tu veux plus être un site ? Plus trop, mais j'ai pas d'autre idée, donc... Ouais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vocation depuis l'âge de 8 ans, donc... Je sais, mais là, tu crois vraiment que tout ce bordel, là, ça va t'aider à y voir plus clair ? Alors, juste par contre, les gars, c'est très sérieux ce qui se passe ici. Donc, si on peut se concentrer 2 minutes, ça serait bien. Merci. Je t'invite à tirer une carte. Alors... D'accord, la carte de l'ermite. Le vieux barbu, comme on l'appelle dans l'intimité. Alors, si tu veux, lui, il symbolise les 3 piliers de la stabilité. Ok ? Donc on est sur sagesse, solitude, prudence. En vrai, c'est une carte qui est hyper importante dans le tarot. Elle évoque vraiment le besoin de prendre du recul, le besoin fort de se retrouver avec soi-même. C'est hyper important, ça. C'est un peu comme une nouvelle vie qui s'offre à toi, tu vois. C'est comme un nouveau départ, en fait. C'est cool, ça. Ouais, c'est une bonne base sur le futur, ça, c'est bien. Ouais, enfin, calmons-nous. Le truc, c'est qu'en fait, tu l'as tiré à l'envers. Faut vraiment prendre le temps de la réflexion, les gars. Mais il y a 2 mois avant la deadline, ça va suffire, tu penses ? Je le sens pas trop, je t'avoue. Mais en vrai, tire les autres cartes pour voir. La carte du chariot. C'est hyper intéressant, ça. Si tu veux, comment expliquer ? Tu vois ton avenir ? Tu le tiens. C'est entre tes mains, tu l'as. Mais le truc, c'est que si tu lâches, bah... En fait, ça déraille complètement. Ça peut vite partir en couille. C'est pas hyper clair pour moi, le chemin que tu entreprends, là. Mais on va trouver, hein. Par contre, les gars, je suis désolée, mais je peux pas bien faire mon taf. En fait, il y a beaucoup trop d'ondes négatives dans cette pièce. Vous sentez pas, là ? Ça, là, ça va pas du tout. Bon. Maya, tu vas me tirer 3 cartes tout de suite. Pense à une question à voix haute dans ta tête comme tu le sens, je m'en fous, mais qu'on en finisse avec cette pollution mentale, parce que c'est crispant pour tout le monde. Je t'en prie. Vas-y. Ok, retourne la première. Putain, c'est un truc de malade, j'en étais sûre. Vas-y, retourne l'autre pour voir. Ok. On est... on est sur un bon combo explosion-dépendance, hein. Enfin, après, t'as aussi tiré la maison Dieu, donc je me dis c'est peut-être le signe d'une prise de conscience. Oh putain, c'est un truc de merde, meuf. Tu vois le lien qui se brise avec l'association des 2 autres, bam ! Autodestruction ! C'est hyper logique, en fait, les gars. Enfin, après, tranquille, c'est pas hyper dramatique, hein. L'autodestruction, c'est pas forcément un truc négatif. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère, le début de quelque chose de neuf, tu vois. C'est... Il y a du positif à tirer là-dedans. Ok. Merci. De rien. Bon, revenons à nos moutons. Ça va, me regardez pas comme ça, moi j'ai plus un, c'est les cartes. Allez, Tiff, à toi. Ça ? Oh non, pas le mât. Tire une deuxième.